Question qu'on est en droit de se poser quand on fait l'intelligence artificielle, c'est quoi la différence entre un classifieur et un régresseur? Ah, c'est facile. Alors, vous imaginez, déjà un classifieur, on va vous dire qu'il y a plusieurs groupes. C'est la théorie des ensembles. La théorie des ensembles. Et on va vous dire, voilà, on a un groupe noir, un groupe vert, un groupe jaune, par exemple. Un groupe bleu, on va faire les anneaux olympiques, ça va très bien. Un groupe rouge. Et on veut savoir à quel groupe un individu quelconque ou un objet appartient. Donc je prends un objet quelconque et je ne connais pas sa couleur. Okay. Pour moi, il apparaît gris, je n'ai pas les informations. Mais si par exemple on va dire toutes les étoiles ont tendance à être rouges, la plupart des étoiles sont rouges, on dirait que cet élément il a plutôt des chances d'être rouge. Okay? On a trouvé certaines caractéristiques, il a 5 pics, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côtés. Hein. Donc, il y a combien de réponses possibles? Parce qu'on peut se tromper, mais il y a combien de réponses possibles? Il n'y a que 5. Et 5 groupes. Ok? Il y a 1, 2. Il n'y a pas d'autres réponses possibles. C'est-à-dire que votre intelligence artificielle ne pourra pas répondre aux choses que 1, 2, 3, 4, 5. 3. 4. Ou 5. Elle n'a pas le choix. Elle ne peut pas répondre à ça. Elle ne peut pas répondre 6, elle ne peut pas répondre 100, elle ne peut pas répondre 1000. Mais si elle répond autre chose que 1, 2, 3, 4, 5, elle n'est pas bien, pas très intelligente. Et maintenant, on va essayer de prévoir dans le problème de régression. Certains vont dire qu'on ne comprend pas la différence entre les deux. Tu utilises un classifier ou un régresseur, c'est pareil. Donc, c'est pas pareil. On va te dire, tous les mois, on augmente à peu près de. Mais pas la même chose. Hein. On fait un chiffre d'affaires, par exemple. Alors, tu me dis, par exemple, un classifier, un exemple de classifier utile. Tu vas avoir les acheteurs, tu es sur un site internet. Tu as le client qui vient sur le site. Ils sont venus. Déjà, ils sont venus sur le site, tu dis, oh, ils ont cliqué sur le lien, ils sont venus sur le site. Ok. T'as ceux qui. Alors, t'es venu sur le site, t'as vu des trucs, t'as vu la première page, t'as dit, mais je me suis trompé le site. Tu vas voir ceux qui sont venus plusieurs fois. Ils ont feuilleté le site, c'est-à-dire qu'ils ont cliqué sur les liens pour voir un peu les produits que t'as. Ils sont allés voir plusieurs pages, ils ont feuilleté. À ceux qui ont mis dans leur panier quelque chose. À ceux qui ont mis dans leur panier quelque chose, et des fois tu as un mélange des deux. Hein. Donc on va mettre ceux qui ont ouvert un compte. Ils ont ouvert un compte chez toi, par exemple, tu es un site de vente en ligne, ils ont ouvert un compte chez toi, tu fais cela déjà, c'est carrément mieux. Ok, cela ils ont mis dans leur panier et tu as ceux qui ont acheté. Toi, tu aimerais savoir comment se répartissent les gens qui viennent sur ton site. Qu'est-ce que tu dois faire, par exemple, pour qu'ils se mettent à feuilleter? Et on va proposer une discussion pour que ça s'améliore. Il dit, il y a tout ça, hein, et ça va changer des trucs. En fait. La classification, ça va te changer des choses. Ok? Il dit, si je suis comme ça, j'ai mis ces couleurs-là, je me classifierai plus facilement dans.
Si on arrive et qu'on propose directement une réduction, une promotion, je vais me faire situer facilement dans leur venue. Temu est très fort là-dessus, par exemple. Et là, tu dis, bah oui, il faut avoir ça en tête pour pouvoir comprendre l'intérêt de l'intelligence artificielle. Et ensuite, la question, c'est, on voudrait savoir, par exemple, le nombre de personnes qui sont venues, hein, il va augmenter, et on voudrait savoir si ce nombre-là, il va continuer d'augmenter, il va diminuer ou pas, parce que des fois, c'est pas top. On a une tendance à la croissance, et puis des fois, c'est quand même pas top. Donc, pas tout le temps, mais on a l'impression que ça monte régulièrement. Et là, on veut prévoir, si tu viens et que chaque personne qui est venue, tu dois lui offrir un cadeau. Combien de cadeaux tu vas devoir prévoir? Ah, donc, tu as une courbe là, et la régression, son travail, c'est de dire, bah, moi, je suis capable de te dire que ça peut faire ça. Ou, ça peut faire ça. Ok? Donc, la régression, elle ne va pas te donner un des chiffres qu'il y a là. Là, tu vas avoir un nombre numéro, tu vas avoir une première valeur. Une deuxième, une troisième, mais la valeur que la régression va te donner, les valeurs que la régression va te donner, ce n'est pas forcément des valeurs qui existent déjà. Elle va pouvoir te donner des valeurs parmi celles que tu n'as pas encore. Des valeurs prédictives qui ne sont pas les valeurs que tu as rentrées. Ok? Ce n'est pas les valeurs que tu as rentrées. Il n'y a pas une seule fois où ce sera égal ou rarement. Ok. Le premier travail, c'est le travail de classification. Le deuxième travail, c'est le travail de régression. Une fois que tu as classifié, tu as envie de faire de la régression en disant bah, maintenant, je veux savoir, est-ce que ça va faire évoluer le nombre de personnes qui sont venues? Ça va faire évoluer le nombre de personnes qui sont venues et qui ont prêté? Est-ce que ça veut dire, c'est comme si tu comptais le nombre de personnes qui rentrent dans ton magasin, le nombre de personnes qui rentrent dans ton magasin et qui vont réellement aller chercher dans des rayons? Le nombre de personnes qui rentrent dans ton magasin ont pris un chariot et ont rempli un chariot. Ou un panier, vraiment. Et ceux qui ont dit attention, moi je prends la carte de fidélité. Je veux savoir qui t'es. Et tu as ceux qui sont allés jusqu'à la caisse en disant bah, le panier, je le valide, je vais jusqu'à la caisse, je valide. C'est pas des gens, ils abandonnent le chariot en disant bah non, faut faire ça, là, c'est pénible, là, je peux pas t'arrêter pendant 3 heures. Je ce chariot-là. Ça arrive. Ça arrive vraiment, mais ça arrive. Ok. Donc, toi, tu dis, bah, je voudrais qu'ils soient ceux qui sont venus, qui ont feuilleté, qui ont mis dans leur panier, qui ont pris l'abonnement, qui ont acheté. Donc, on suppose que, quelque part, il faudrait qu'ils soient un petit peu partout. Bizarre, hein? On dit que celui qui a acheté, il a fait tout le reste. Hein. Qui a pris la carte d'abonnement, c'est qu'en général, il a peut-être même déjà acheté, tu vois. Donc, souvent. Quand tu proposes comme caisse. Après l'ordre des groupes, tu peux leur donner une importance selon la croissance dans l'ordre de ce qu'ils ont pu faire. Et, un exemple pris au hasard à improviser. Hein. Si tu arrives à prévoir ça, le patron qui dit attention, ma stratégie, elle est bien ou elle n'est pas bien, il va pouvoir faire des comparatifs. Et là, le comparatif, ce qu'on appelle le A/B testing, la régression, elle va te dire, tu peux avoir une première régression. On te dit, bah, ça c'est la courbe logique. Okay. Ça ressemble à ce qui est plus logique. Et une autre régression dit, j'ai changé de stratégie. J'ai une stratégie commerciale différente. J'ai pris un autre commercial. Et il va me faire soit bien, bien mieux, mais plus tard. Okay. Soit beaucoup mieux et tout de suite.
soit moins bien, sans progression, mais stable. Okay. Et là, tu vas pouvoir comparer tes différentes stratégies grâce à la régression. Grâce à la visualisation. La visualisation. En ciblant ce que tu vas pouvoir améliorer. C'est le principe de l'intelligence artificielle, la vraie intelligence artificielle, c'est ça. C'est-à-dire, l'objectif, c'est vraiment que si tu payes le gars cher, c'est que ça te rapporte de l'argent. Ok? Donc ça te rapporte du prix, on te dit, bah moi ce que je veux, c'est augmenter le nombre de toits à roues, là, qu'on va acheter. Enfin, normal. Et ceux qui ont été abonnés aussi. Faites pas, c'est la carte de fidélité, selon moi, là. Des augmentes. Et le reste, après, bah, progressivement, ceux qui sont venus, tout doit augmenter finalement. Et ce qu'on appelle le taux de transformation, là, enfin, cette transformation-là, elle doit augmenter, cette transformation-là, elle doit augmenter. Tu peux essayer de cibler des choses aussi. Tu as bien compris ça, tu as compris ce qu'un commerçant, il te demande, un groupe commercial, ce qu'il te demande quand tu es data. Là, tu vas avoir le premier travail, c'est de la classification. Le deuxième travail, c'est de la régression. Et le troisième travail, c'est de la comparaison de la détestation. Et quand tu es Data Product Manager, c'est créer un produit qui va correspondre aux besoins de l'entreprise. Ok? Si vous répondez à la question que les uns et les autres se posent, on prend un classifieur, on prend un graisseur, c'est pareil. Non? Pas pareil. C'est pas pareil. Tu ne veux pas la même chose. Il y en a un, tu veux connaître le futur. L'autre, tu veux connaître l'état des lieux. D'accord? C'est pas pareil. Donc la machine learning, elle apprend, mais elle apprend à condition, ça n'est cohérent qu'à condition que vous étudiez soit cohérent. Classifier des trucs, on peut faire n'importe quoi, mais pour que ça ait un sens au niveau économique, ou au sens de la recherche. On peut faire n'importe quoi, on peut classifier les objets en disant j'ai des carrés, j'ai des ronds, j'ai des triangles, j'ai des rectangles, j'ai des losanges. Bien, tu rappelles la classification comme un enfant maternel, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Je te donne un autre exemple de classification utile. Je veux programmer un véhicule autonome. Je veux programmer un véhicule autonome. D'accord? Ce que tu veux, toi, c'est par exemple pouvoir classifier une caméra. Hein, dans une voiture, il voit les choses, les objets. Ok? T'as une caméra embarquée dans la voiture. Tu veux que classifier les objets en disant ça c'est un mur, ça c'est un poteau, ça c'est une personne, ça c'est une personne à vélo, ça c'est une personne à moto, ça c'est une personne en voiture, ça c'est un camion, hein, ça c'est le ciel. Et on remarque aussi que tu t'en fiches. Ça, c'est un animal ou un être vivant qui passe sur la route. OK? Et pour que tu arrives à classifier les choses, pour dire bah, s'il y a des obstacles, tu les reconnaisses. Au moins que tu les identifies, que tu saches les retrouver. Donc là, tu vas faire de la classification d'images. Okay. Tu as juste besoin de classifier les choses en disant bah, il y a des objets, c'est des obstacles. Bah, d'autres, c'est dans les parcs. Le ciel n'est pas un obstacle pour la voiture. Obstacle, pas obstacle. Quel type d'obstacle? Et donc là, tu vas apprendre à la machine à reconnaître avec des images les obstacles. C'est mieux. Deuxième situation, tu es en train d'analyser les images en question. Tu les as. Okay. Et sur ces fameuses images,
tu as des objets qui sont classifiés comme étant des objets en mouvement et pas en mouvement. Allez, on va reprendre cette image-là. On va dire que c'est un mouvement et pas un mouvement. Et là, tu vas avoir besoin de régression. C'est un mouvement ou pas un mouvement? C'est un mouvement. Ok, ça va dans quelle direction? Ben, ça va par là-bas. Apparemment, il y a un mouvement par là. C'est pas un mouvement éventuellement statique. Et donc, la machine, elle sait qu'elle, elle est dans un mouvement qui va dans le même sens. Tu as des mouvements qui viennent vers toi, là, venant là. Et puis, tu n'as pas de danger, là, en face, parce que tu as un mur, donc la machine, elle doit le savoir. Elle doit choisir une trajectoire en fonction de ce qui l'entoure. Et une vitesse. C'est bon, ça? Il faut que tu puisses calculer, par exemple, si tu regardes les choses simplement, sur l'endroit et automatiquement, systématiquement. Hein. Un élément facile, toi tu le trouves là, tu as un véhicule devant, tu as un véhicule ici, tu as un véhicule ici. Donc ça, il faut que tu puisses déjà créer le schéma automatiquement dans la machine, donc créer les coordonnées, une vision peut-être en trois dimensions, de plusieurs caméras qui vont pouvoir voir les choses pour créer des coordonnées par rapport aux caméras. Hein? Et tu as un véhicule qui vient là, et un véhicule qui vient là. Et ensuite, pour que tu puisses calculer la trajectoire des véhicules selon les images, la vitesse de chacun de ces véhicules, et quelle est la vitesse qu'il faut que tu adaptes pour être sûr d'éviter tout contact compte tenu de ta distance de freinage selon ta vitesse que tu as en tant que donnée. Tu connais ta vitesse de freinage, tu connais ta distance de freinage associée, tu as mesuré la température, l'humidité, tu as la mesure de la d'errance de la route en conséquence. Voilà. Tu sais quelle est la vitesse qu'il faut que tu atteignes et que tu maintiennes, et quelle est la trajectoire qu'il faut que tu prévois. Ok? Ça dans ta tête, quand tu es humain, bah, tu te dis oui, c'est pas ça, on comprend. C'est une voiture autonome, ton intelligence artificielle elle fait de la régression, elle prévoit en temps réel à chaque seconde la vitesse, forcément, de chacun des véhicules, selon le comportement qu'elle enregistre à travers les images. Voilà la lecture des puces GPS que les voitures peuvent porter. S'il y a une cohérence des puces GPS, tous les véhicules portent une puce GPS, forcément, elles seraient plus facilement pilotables ensemble. Alors, ça faciliterait, par exemple, le travail du véhicule autonome. Comme là, le GPS dit que c'est cette vitesse-là, le calcul de régression, il est là, on voit le calcul de régression, je ne sais pas où passer. Le calcul de régression, il est là pour prévoir l'avenir, il n'est pas là pour classifier. Enfin, le premier travail de classification, tu as dit ça, c'est une voiture, ça, c'est un camion, ça, c'est une moto, ça, c'est. Voilà, là, c'est un obstacle, là, ça n'en est pas un. Le travail de régression, il va te dire, attention, voilà la vitesse qu'il faut atteindre, voilà la trajectoire qu'il faut suivre. En temps réel, il faut, pour éviter tout accident, tout choc, tout accrochage. On voit qu'on ne comprend pas la même chose. Mais les deux, c'est faisable. C'est le même métier qui me plaît, par contre. C'est pas la même chose. Donc, quand tu fais de la robotique, évidemment, tu es obligé d'en faire de l'intelligence artificielle, de la machine learning. Quand tu fais du commerce, bah, il vaut mieux l'avoir quand même. C'est vrai que ça augmente le chiffre d'affaires. Et ça peut jouer, par exemple, l'A/B testing. J'ai mis telle couleur dans le magasin. Il y a des gens qui sont venus, d'autres qui sont partis. J'ai mis du parfum, mais stratégique. Ça attirait les gens, je sais pas. J'ai mis des nouvelles lumières. Ah, je garde ces lumières-là ou je prends les anciennes? Je voudrais tester des nouvelles lumières. J'ai 30 jours avant retour à Amazon.
J'ai mis des guirlandes. Maintenant, à partir du mois de novembre, pour préparer Noël, ça fait plus de monde ou moins de monde? J'engage un type pour faire le Père Noël, ça fait plus de monde ou moins de monde? Selon la période de l'année, le mois, là, ce mois-ci, voilà, par rapport au mois à l'année dernière, aux années précédentes et aux autres magasins, pareil, de mon enseigne. Parce que du coup, si ça marche, je sais ce qu'il y a de mieux, je vais engager des Pères Noël partout, hein. Voilà. L'intelligence artificielle, elle te dit si oui ou non t'appelles bon point, parce que tu peux engager un Père Noël et dire c'est super, tu as un bon esprit. Parce que c'est rentable. Des fois, tu t'en fous, c'est Noël, c'est tout. Ah, si tu poses la question, mais comment on pourrait alors dans ce type de situation? Bah, tu te mets là, hein, tu as deux lasers, pointe, trois, juste à de laser, tu sais. Et chacun d'entre eux, il va te donner une distance. D'accord? Et ça veut dire que. Tu as deux points de référence qui sont stables, donc tu connais la vitesse, et on te dit, ça c'était l'origine de tes deux lasers, l'objet que tu observes, il est à cette distance-là, dans ce cercle-là, et à cette distance-là. Ok, et donc si tu as ces coordonnées-là, t'as deux possibilités, on te dit il est dans ce sens-là. Car c'est l'objet qui va dans ce sens-là. Tu as créé des coordonnées. Ça peut se faire avec des pointeurs laser. Bon. De repérer un objet sur la route. Et dire, bah, je sais quelle est sa distance en conséquence, parce que du coup, je sais faire ça. Hein? Je sais faire le calcul en disant, bah, moi, je suis là. Je sais faire le calcul de quelle est la distance qu'elle a. Tu te demandes techniquement comment ça se fait, ça se fait comme ça. Donc, du coup, on a la distance du véhicule qu'il y a là. Cette distance, elle augmente, elle rétrécit. Et si tu connais ta propre vitesse, cette distance, elle varie en fonction du temps, tu connais la vitesse du véhicule qu'il y a devant. Et tu peux le faire pour tous les véhicules qu'il y a là. Alors, l'idéal, ce serait plutôt que chaque véhicule dispose de son propre calcul, il donne ses coordonnées et l'envoie aux autres. Comme ça, et ses prévisions. Comme ça, tu passes toutes les choses. Bon, il y a plusieurs manières de faire. Ça, c'est pas le sujet, mais bon, c'est pour te dire que l'intelligence artificielle, elle prévoit la valeur de cette distance qu'il y a là. Ce calcul régressif-là, c'est la régression de la distance qu'il y a entre toi et le véhicule de devant, et le véhicule qui peut rentrer en contact, qui va permettre à la voiture autonome de dire bah, cette distance-là, je dois la garder à une distance de sécurité, quitte à réguler ma propre vitesse pour pouvoir garder les distances. Si ça diminue, ben je dois ralentir le véhicule. Si ça augmente, je peux accélérer un peu le véhicule. Mais il y a un minimum que je dois garder comme distance. Et la distance de plus. Donc le véhicule autonome, la conduite assistée par l'ordinateur, c'est vraiment très très simple. Alors, j'ai un autre exemple de régression, de classification qui est utile. La seule question en question qui est utile. En fait, une opération chirurgicale. Donne une idée un petit peu de l'importance de l'intelligence artificielle là. Vous faites une opération et vous savez pertinemment que quand vous allez opérer, vous avez besoin d'une image. Et des fois, il y a des choses que vous n'arrivez pas à identifier. OK? Et lorsque vous n'arrivez pas à identifier certains objets, c'est pareil en imagerie médicale, on va dire attention, est-ce que tu arrives à reconnaître, est-ce que ça c'est une tumeur, est-ce que ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi? T'as un appareil qui va te permettre de voir les choses, de filmer les choses. Et en même temps, sur cet appareil-là, tu peux mettre un ordinateur de classification qui va te permettre de dire ce qui est visible d'après la caméra. De repérer certains organes, certaines viscères, certains éléments. Ton objectif de classification, là, c'est de faire en sorte que ton intelligence artificielle soit capable de t'aider à guider l'opération.
Parce que des fois, tu gagnes du temps, rien que parce que l'imagerie est capable de te dire où se trouvent les choses. Ce temps-là, il est précieux pendant une opération. Voilà. Donc, c'est bien mieux. Donc, dans l'imagerie médicale, c'est pareil, si on dit attention, on va savoir s'il y a une fracture, une neurologie interne, un truc de ce type-là, tu regardes l'imagerie, tu peux être fort. Mais l'intelligence artificielle, elle peut être meilleure que toi. Et dire là, il y a 80% de risque qui est une section artérielle, là, il y a 80% de risque qui est une tumeur, là, il y a 80% de risque, etc. Rien qu'à l'image. On guérit des épidémies comme ça. Pas que pendant les opérations chirurgicales, aussi dans les diagnostics. Donc la classification, elle permet énormément de choses. Ça dépend de qu'est-ce que tu as comme information à classer. Alors, pour tout ce qui va être imagerie, pour une grosse carte graphique. Très grosse carte graphique. Même plusieurs. Gagner du temps. Et pour tout ce qui va être ensuite, tu vas me dire, ben là, on fait du pilotage, ben là, c'est pareil. Des fois, tu fais de la chirurgie à l'aide de machines. Tu pilotes à la main, au bout, tu peux demander en disant, tiens, s'il veut ça, il vise ça. Ben là, tu as du calcul comme de l'autopilotage. C'est sur la chirurgie de pointe ou la chirurgie robotisée. Oui, c'est des gestes, on ne peut pas les faire à la main, on n'est pas assez précis. Mais la robotique, la robotique en chirurgie, c'est plein d'opérations qu'on ne pouvait pas faire avant, on peut faire maintenant. En disant, bon, alors, il faut prendre en compte que ça, c'est en train de battre, ça, c'est en train de bouger, là, il y a peut-être un mouvement dans la respiration, et comment on peut être sûr que le mouvement il va être juste dans mon calcul? Et ben voilà, on prend en compte tout le reste là, fait une régression qui va donner le mouvement idéal qui évite d'avoir à faire l'erreur qui s'est passée. Ben, il a respiré d'un coup le patient, le poumon s'est mis à bouger, puis on a fait l'erreur. Non, on ne fait pas l'erreur de ce type-là. On prend le calcul en question. Il y a du mouvement dans le corps du patient. Et on prend tout ce qui bouge en compte et on fait la régulation pour ne pas avoir de problème. La classification, la régulation, ce n'est pas la même chose. Classification, il n'y a pas de dynamique. On regarde un état statique. Régression, on pense à la dynamique. Les choses vont changer. On veut savoir ce que c'est. Et on veut pouvoir se guider au milieu de ce changement. Et on est fiable qu'à 90-89%, mais c'est plus fiable que pas l'avoir du tout. Et cette boule de cristal, elle se trompe rarement. Rarement, ouais. On dit on arrive à plus de 90% de fiabilité dans la plupart des cas. C'est-à-dire que c'est très rarement. Plus rarement qu'une voyante. Plus rarement qu'un politique.